Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bien chers élèves, une fois de plus, je vous salue. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour continuer notre programme d'éducation à distance avec moi comme votre tuteur, à savoir M. Geoffard Bertin. Nous allons continuer dans la lancée de notre programme de philosophie de premier littéraire et nous allons continuer dans la séquence sur la personnalité et la personne et cette fois avec la deuxième leçon qui concerne les facteurs d'édification de la personnalité. Alors, il s'agit donc dans cette deuxième leçon de voir ce qui, les éléments qui rentrent dans la structuration de la personnalité d'un être humain. Et comme nous avons coutume de le faire, nous allons commencer par décliner la situation problème. Alors, autour de nous, des personnes recourent à l'adage fort connu, tel père, tel fils, pour rappeler que chacun est le produit de son géniteur, dont il reproduit fatalement les comportements, les caractères, etc. Alors, en guise de prérequis, il s'agit déjà, pour mieux aborder cette leçon, de connaître la différence qui existe entre le caractère et la personnalité, entendu que bien des personnes tendent à faire une confusion entre ces deux concepts qui, certes, sont proches, mais qui méritent d'être spécifiés. Alors, en guise de réponse, nous disons que le caractère renvoie à ce qui est propre à soi, à ce qui définit la propriété spécifique d'un individu. Et nous avons cette notion de caractère qui a été étudiée par deux auteurs particulièrement, à savoir La Bruyère et La Rochefoucauld. Quant à la personnalité, il s'agit de l'expression visible, manifeste, de la manière d'être selon notre caractère. Donc la personnalité exprime la manière par laquelle notre caractère impacte sur d'autres manières d'être, notre manière de nous présenter, de nous comporter dans le monde. Alors, quelques exemples de situations nous permettent de décliner cette leçon. D'abord, l'ignorance des éléments constitutifs de la personnalité, le manque de personnalité chez certains, la personnalité fragile chez d'autres, la confusion entre l'inné et l'acquis, et bien entendu, l'imitation servile. Alors, des exemples de situations sont nombreux, des exemples d'actions, pardon, sont nombreuses qui peuvent être invoquées, qui peuvent être mobilisées pour mieux affronter ces différentes situations relevées. D'abord, apprendre à maîtriser les facteurs de la personnalité, quels sont les éléments qui rentrent dans la structuration de la personnalité d'un individu. Ensuite, s'affirmer et s'assumer en tant que personnalité, affirmer sa personnalité et l'assumer véritablement dans le groupe social. Et pourquoi pas avoir une personnalité forte, cultiver une forte personnalité de manière à pouvoir distinguer l'inné et l'acquis, comprendre la différence qui existe entre les deux. Ceci nous amène donc à la justification de la présente leçon. Et nous disons que cette leçon te permet de, cher apprenant, connaître et spécifier les éléments qui déterminent la personnalité d'un homme,
connaître et spécifier les éléments qui déterminent la personnalité d'un homme, maîtriser la complexité même de l'homme, parce qu'au final, il faudra voir qu'il y a un certain nombre, un ensemble complexe d'éléments qui structurent la personnalité d'un être humain. Et tout cela doit nous permettre de mieux interagir avec notre entourage selon des rapports harmonieux et sans doute apaisés. Alors, comme problématique de cette leçon, nous nous posons la question simple suivante. Qu'est-ce qui fonde la personnalité? Qu'est-ce qui structure la personnalité d'un être humain? Alors, le plan de notre leçon se présente comme suit. Nous allons présenter d'abord les facteurs biogénétiques qui déterminent la personnalité d'un individu. Nous allons ensuite voir les facteurs psychologiques, les facteurs socioculturels, et nous allons finir en montrant que la personnalité se veut une totalité complexe, une synthèse complexe d'éléments indissociablement mêlés. Et bien entendu, nous allons avoir quelque chose à retenir. Nous allons procéder par quelques questions d'évaluation pour voir si ce pourra être compris. Nous allons avoir des citations utiles, des références et bien entendu des sujets de réflexion. Alors commençons donc par les facteurs biogénétiques. Nous disons que la personnalité d'un individu est généralement fonction des déterminants somatiques structurés sur la base biologique, à savoir par exemple la taille, la couleur, le poids, etc. Ce sont des éléments qui rentrent dans la construction biologique de l'être humain et qui permettent, qui déterminent d'une manière ou d'une autre le comportement de celui-ci. Et nous voyons à cet effet que la personnalité est structurée par un héritage génétique, un système invariable de réactions stables et que la personnalité se veut une réponse à l'ordre naturel des choses auxquelles correspond l'architecture biologique, l'architecture corporelle de l'être humain. On peut donc ici identifier la personnalité à la reproduction d'un certain nombre de caractères héréditaires, à la reproduction d'un ensemble d'éléments donnés naturellement. Alors, il y a donc ici une conception innéiste de la personnalité qui fait en sorte que on peut penser que notre personnalité, entendu qu'elle est structurée par des éléments biogénétiques, est essentiellement innée. Nous venons au monde avec notre personnalité déjà potentiellement constituée et notre présence au monde se contente tout simplement d'actualiser ces potentialités de notre personnalité qui ont été préalablement définie. Il y a donc ici à considérer une sorte de déterminisme naturel qui suppose que la personnalité d'un être humain, l'être humain lui-même est naturellement déterminé. Et on voit cette conception du déterminisme naturel qui s'impose à l'individu chez Arthur Schopenhauer, qui considère que chez l'être humain, comme dans la nature, on a les mêmes choses éternellement. En fait, rien ne varie et nous ne faisons que nous conformer à l'ordre naturel des choses, incapables de changer quoi que ce soit. Venons-en maintenant aux facteurs psychologiques. Alors ici, il s'agit de considérer la personnalité comme l'expression de la vie mentale d'un individu, l'expression de la vie psychologique d'un sujet. Les dispositions psychologiques qui définissent notre état mental sont donc susceptibles d'influencer considérablement notre personnalité, de modifier de fond en comble notre manière d'être au monde, notre manière de nous comporter, notre manière d'interagir avec les autres. Il s'agit ici de faire appel à l'état mental d'un individu équilibré ou déséquilibré pour expliquer le comportement de celui-ci, pour expliquer la personnalité que celui-ci affiche dans la société. Ainsi donc, une personnalité fragile ou solide peut avoir des explications dans l'état mental de l'individu, dans les éléments psychologiques qui structurent notre psychisme. Et c'est sur cette base-là justement que la psychologie différentielle se base pour
faire la typologie, pour faire la classification des personnes. Il y a donc une explication de la personnalité par le psychologique, par l'intellectuel, par le comportement et par le caractériel, ce qui revient à une intériorisation des choses par la vie mentale. Ainsi, par exemple, la pression du ça peut avoir une incidence sur le comportement de l'individu, les pulsions qui nous animent, nos désirs, nos passions, nos émotions, nos sentiments, nos plaisirs, etc., peuvent, par l'impact qu'ils ont sur nous, modifier considérablement, altérer même, pourquoi pas, notre personnalité. Nous avons également les traumatismes qui sont dus au coup de foudre, par exemple, qui dénature et qui déstructure complètement la personnalité d'un être humain. Ouais, si vous avez déjà eu l'exemple de quelqu'un qui fait une rencontre spectaculaire, une rencontre surprenante, et vous voyez que l'émotion que cette rencontre inattendue produit peut aller jusqu'à altérer de fond en comble la personnalité de l'individu. Donc, maintenant, pour ce qui est des facteurs socioculturels, il s'agit donc de considérer ici l'impact que le milieu social, l'impact que le milieu culturel a sur l'édification de la personnalité d'un individu. Et quand nous parlons de l'impact de la société, ça veut dire l'impact du milieu, pardon, nous voulons voir ici la société, notre milieu de vie, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, mais nous voulons ici considérer également la culture, c'est-à-dire les valeurs qui sont véhiculés dans notre milieu de vie, l'ensemble des mœurs, l'ensemble des coutumes, l'ensemble des légendes, etc., qui structurent notre être dans le groupe. Alors, tous ces éléments-là ont un impact sur notre personnalité. Ils sont donc les éléments constitutifs de la construction de la personnalité de l'être humain. Ici, donc, on refuse de voir dans l'homme une tabula rasa, une cire molle. On refuse de considérer que l'homme venu au monde était vide, était un tableau vierge sur lequel on considère que l'homme peut édifier, graver des choses. L'homme est donc, j'allais dire, comme une cire molle, et cette expression de tabula rasa et de cire molle, on la retrouve chez les empiristes, notamment John Locke et David Hume, qui considère que nous ne sommes que le reflet de ce que la société, nous ne sommes que le reflet de ce que notre milieu de vie a forgé en nous. On dirait que tel milieu, il y a donc ici donc le rejet de l'inéisme, contrairement à ce qu'on a vu avec les facteurs biogénétique, on ne pense pas que notre personnalité soit innée, on ne pense pas que nous venons au monde avec des caractères déjà fixes, déjà fixés d'avance, mais on pense qu'il y a eu l'affirmation ici du sociologisme et du culturalisme qui considère l'impact, le diktat, pour considérer comme Durkheim, le diktat de la société sur l'individu, le diktat de la culture. Si nous considérons chez les auteurs comme Margaret Mead, Ruth Benedict, Lucien Malson, etc., on voit donc que l'homme est le produit de sa culture. Il est donc inconcevable de considérer que la société n'a aucun impact sur nous. Au contraire, il s'agit de montrer que c'est la société, c'est la culture, c'est la tradition, c'est les croyances. Bref, c'est le moule socio-culturel qui forge et édifie la personnalité de l'être humain. Ici, donc, la personnalité est acquise et se construit progressivement selon le jeu des interactions sociales. Notre personnalité n'est pas figée. Le déploiement dans la société, le déploiement selon l'ordre de la culture contribue à nous façonner, contribue à nous édifier une certaine personnalité. La personnalité est donc dynamique, elle n'est pas figée, elle n'est pas stable, elle est dynamique, elle est en perpétuel renouvellement. Étant entendu que la société elle-même, la culture elle-même se renouvelle en permanence. Il y a donc lieu ici de reconnaître le pouvoir des éléments sociaux, historiques et culturels sur le façonnement, sur la construction de la personnalité de l'être humain. Exemple,
c'est la famille dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous grandissez, a certainement un impact. Parce que dans la famille, on ne véhicule pas les mêmes valeurs. Dans la famille, on ne construit pas la même idéologie. La race elle-même, elle a une influence sur la constitution de la personnalité, la culture, la nation même. Selon que nous vivons dans une nation donnée, les valeurs véhiculées dans cette nation peuvent influencer. La classe sociale même d'appartenance, selon que nous soyons riches, que nous nous reconnaissons comme faisant partie des riches ou des pauvres, cela peut avoir également un impact sur notre construction sociale, sur l'édification de notre personnalité. La civilisation même, aujourd'hui on parle de la civilisation technoscientifique, et on peut voir que les jeunes qui sont moulés dans cette civilisation-là ont des comportements particuliers, contrairement aux gens aux vieilles générations qui ont été moulées dans un contexte particulier. Nous verrons que ceux qui ont vécu la colonisation, par exemple, ils ont un comportement particulier. Nous verrons que ceux qui ont vécu la guerre des indépendances, ils ont un comportement particulier. Pendant que les jeunes d'aujourd'hui, qui vivent dans une situation avec beaucoup de facilités, avec beaucoup de gadgets, avec beaucoup d'instruments à leur disposition, ont également un comportement particulier. Donc tous ces éléments-là contribue à forger d'une certaine manière la personnalité d'un être humain. Et on connaît ce proverbe français qui dit souvent, qui dit que « Dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. » En quelque sorte, nous dirons « telle société ou telle culture, alors telle personnalité. » Selon la société dans laquelle nous vivons, selon la culture qui nous est, qui nous a forgé, nous construisons une certaine personnalité. Je vous en prie. La personnalité donc se joue dans les rapports avec le milieu, dans les rapports avec la société. Émile Durkheim, qui est certainement l'un des auteurs qui ont le plus insisté sur cette incidence, sur cette influence de la société et de ses valeurs sur l'individu, insiste sur la notion de conscience collective. Comme chaque individu reproduit la conscience collective de son milieu. Et d'ailleurs, la morale, nous le verrons plus loin, la morale n'est très souvent que la reprise des règles sociales intériorisées par l'individu. Dans la même optique, Moscovici parle des représentations collectives, et ces représentations collectives qui structurent d'une manière ou d'une autre, le vécu social de l'individu et forge en dissociant, en l'individualisant, la personnalité de ce dernier. Et par cette affirmation des représentations collectives, Serge Moscovici rejette de facto la notion de fatalité biologique. Il s'agit de l'expression qu'il forge pour qualifier cette tendance à croire que l'homme vit au monde déjà constitué. Il rejette cela, même si, à l'opposé, il rejette également la thèse des partisans de la simole et pense qu'il faudra envisager une sorte d'entre les deux pour concevoir l'homme à la fois comme une donnée culturelle, une donnée, mais également comme une donnée naturelle. Il y a donc ici à reconnaître dans cette conception socio-culturelle de la personnalité, un certain déterminisme socio-culturel qui contribue à affirmer le diktat de la société chez l'individu. On a vu dans le cours sur l'inconscient, comment chez Durkheim, la conscience, parce qu'elle est forgée par la société, il va jusqu'à considérer la société comme le dieu. La société, c'est Dieu, dit Durkheim. Alors, cette personnalisation comme processus d'acculturation et d'accommodation est donc ici affirmée. Construire sa personnalité, c'est tout simplement s'insérer dans le réseau culturel, s'accommoder avec les valeurs de sa culture. Bien évidemment, on ne peut achever ce parcours des facteurs d'édification de la personnalité sans ouvrir cette parenthèse existentialiste, même s'il faut la refermer très rapidement, car dans l'un et l'autre cas, à savoir dans la conception
dans la considération des facteurs biogénétiques et dans la considération des facteurs socioculturels, il s'agit pour les existentialistes de reprocher à ces deux options le mépris de la liberté humaine, le fait qu'ils embrigadent, elles embrigadent l'homme d'un côté par le déterminisme naturel et de l'autre par le déterminisme socioculturel. L'existentialisme pose donc l'affirmation de la liberté et de la responsabilité humaine et pense que quel que soit le milieu dans lequel nous sommes, quel que soit l'environnement social dans lequel nous sommes, quels que soient les éléments biogénétiques avec lesquels nous sommes venus au monde, il nous est toujours possible de nous construire comme nous voulons. On sait bien, lorsque Sartre préface les damnés de la terre, affirmation qu'on retrouve dans la question juive, il disait quoi? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Et Jean-Paul Sartre, dans l'existentialisme est un humanisme, insiste bien sûr le fait que l'homme est ce qu'il se fait. Nous ne sommes pas ce que la nature a fait de nous, et nous ne sommes encore moins ce que la société a fait de nous. La personnalité se veut donc une construction personnelle, un vouloir et une exécution de son vouloir selon sa propre volonté, si on peut faire cette tautologie. On voit donc bien pourquoi Alain, le caractère d'un homme n'est que son serment. Dans cette propos sur l'éducation, Alain pense que notre caractère définit notre caractère est le fait de notre propre serment. Nous sommes ce que nous avons prêté serment d'être. Nous sommes ce que nous avons voulu être et rien d'autre. Il y a donc le refus de toute forme de stigmatisation. Et c'est pourquoi Sartre dit que je suis ce que je ne suis pas et je ne suis pas ce que je suis. Ce faisant, il ouvre. Il y a dans l'épisode du garçon de café dans l'être et le néant, cette satire de ceux-là qui se confondent avec leur rôle, de ceux-là qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, notamment le garçon de café qui joue à servir les gens au bar, et quand on lui demande « qui es-tu ?», il répond « je suis le garçon de café ». Et Sartre pense que cette confusion entre ce que nous sommes, entre notre personnalité et notre personnage, n'est que l'expression de la mauvaise foi. Elle est l'illustration de ce qu'il appelle le parfait salaud. Le salaud, c'est justement celui-là qui joue à être ce qu'il n'est pas. C'est celui-là qui se confond dans ce qui ne le définit pas en réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc comprendre avec tout cela? C'est que cette complexité d'éléments susceptible d'expliquer et d'édifier la personnalité, nous permettent d'envisager la personnalité comme une totalité, une synthèse de l'inné et de l'acquis, une complexité constitutive, dynamique et constructive. Alors, si nous donc, par tout cela, nous reconnaissons que la personnalité est une réalité complexe, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Nous retiendrons donc que la personnalité est un ensemble d'éléments biogénétiques, d'éléments psychologiques et d'éléments socio-culturels. Et qu'au-delà de toute chose, il faut y voir une synthèse complexe et une totalité. Alors, quelques questions d'évaluation pour vérifier que cette leçon a bien été comprise, qu'elle a été assimilée. Nous commençons par cette première question. Quels sont les facteurs qui déterminent la personnalité? Quels sont les facteurs qui déterminent la personnalité d'un être humain? Alors, les éléments de réponse sont, bien évidemment, les éléments biologiques, à savoir le corps, la taille, le corps, taille, couleur. Les éléments psychologiques, à savoir les pulsions, les désirs, les passions, etc. Et bien entendu, les éléments socioculturels, la société, la culture et l'histoire. Alors, comme deuxième question d'évaluation, nous nous posons la question, faut-il considérer la personnalité comme innée ou acquise? La personnalité est-elle innée ou acquise? Alors, comme élément de réponse, nous tirons simplement que la personnalité est l'unité synthétique d'éléments innés et d'éléments
acquise. C'est très important de le signaler. La personnalité est l'unité synthétique d'éléments innés et d'éléments acquis. Cela revient simplement à considérer qu'il n'y a pas un déterminisme absolu qui pèse sur l'homme. L'homme vient au monde, certes, avec une architecture physiologique, anatomique bien précise, mais il est capable de se construire une trajectoire historique, de se construire une personnalité selon sa volonté et selon les interactions qu'il a avec son milieu de vie. Alors, ceci nous conduit, bien entendu, à ces quelques citations utiles qui peuvent vous aider pour mieux parfaire vos réflexions, vos dissertations, etc. Le caractère d'un homme fait son destin, c'est Démocrite qui le dit. Le caractère d'un homme fait son destin. Et la deuxième citation, elle est de Louis Lavelle. La personnalité se forge peu à peu dans le temps. La personnalité se forge peu à peu dans le temps. Quelques références importantes dans la compréhension de ce cours, de cette leçon sur les facteurs d'édification de la personnalité. Nous avons déjà Pierre Janet dans cet ouvrage « La morale ». Nous avons Jean-Paul Sartre dans « L'être et le lien ». Nous avons Alain à propos sur l'éducation. Et nous avons Jean-Jacques Rousseau dans « Les mille ou de l'éducation ». Alors, quelques sujets de réflexion qui vont vous permettre de continuer à remuer vos méninges par rapport à cette leçon. Le premier sujet, suis-je ce que j'ai voulu être? Suis-je ce que j'ai voulu être? Le deuxième sujet, la personnalité est-elle une donnée ou une construction? La personnalité est-elle une donnée ou une construction? Et troisième sujet, penses-tu avec Pierre Janet que ce qui fait la personnalité, c'est la société? Penses-tu avec Pierre Janet que ce qui fait la personnalité, c'est la société? Voilà donc ces trois sujets qui vont vous aider à mieux assimiler à travers vos réflexions la présente leçon. Alors, nous voici donc à la fin de notre leçon qui portait sur les facteurs d'édification de la personnalité. La prochaine sera consacrée à la valeur de la personnalité et les perspectives téléologiques. On a tege si ma tege yok, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia ninya ne injok biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esu kina biya dinkido, mane tambia ninya ne injok biayen.